Pas de souci. N'allez-vous que bien? Salutations à vous tous, chers amis téléspectateurs branchés connectés dans ce www.congodialogue. Nous sommes ici à Soweto. Moi, c'est Joseph Bola International. Nous continuons toujours les dossiers xénophobie. Bon, permettez que nous puissions. On va essayer un peu d'être un peu bilingue là, français, lingala, pour permettre un peu banamboko bazola ndabiso. Bola na ba émission précédente que to situations ont frappé réellement. C'est vrai, tu sais, nous avons continué le dossier wana, na niveau et Afrique du Sud, spécialement dans Northwest Province, bisikanini, nos amis, nos frères congolais, nos frères congolais. J'ai bien dit nos compatriotes qui sont victimes de xénophobie. Alors aujourd'hui, on nous a appelés, nous continuons toujours avec le dossier. Vous avez remarqué, nous avons pu voir Son Excellence M. Ben Poko, l'ambassadeur de la RDC ici en Afrique du Sud, de soumettre qui rapport à visite à Bandeko Nabiso. Vous avez suivi les images. Aujourd'hui, nous sommes à Soweto. C'est depuis la semaine passée que nos amis, un groupe de familles, je crois 3-4 familles, 5 familles avec les enfants, soit qui ont moins moyen, sous la contribution de quelques personnes que je vais mentionner bientôt là. Quelques personnes au Balinga, bas toujours la bonne volonté, bas l'année qui mission à Bissau, bas si n'a qui billet, bas ticket, bas si quoi, bas qui n'a pas que session, pas que session, et les lots bas en a souhaité, bas eu quelques places au Bomoni Methodist Church here in South Africa. Comme vous voyez, c'est souhaité au Methodist Church Community Center. C'est juste un endroit où yo bande gonne sous bas à réfugiés, bas eu moins place à copé maman mouké à cobatama. Quoi que ça n'a pas conduit, soit malam te bokolanda Bissau en Angola. Je suis aussi visité na ndeko prof l'honorable Jean Boissa. Oyo Akita qui sur le terrain, à cela qui a un peu d'identification, à cela qui n'a pas de quoi. Bienvenue encore, monsieur. Merci Ndeko Nanga Josué Boloa, toujours Nathan. Olingolo Banin Sikoyo. Tomono Lissusawa. C'est un peu ma situation un peu triste. Et ça peine à essayer de monter, quoi. Ça la monte ma passe. Tu combien na souhait, tu bandeko ba komi sou soit ndengani. Bon, c'est triste, mais il faut toujours avoir le sourire pour garder le cap, sinon tu es au kokoufa, quoi. Ouais. Donc, il y a sourire et répara à Mingi. Bon, effectivement, après notre descente des restes et les 200 familles que nous avions trouvées là-bas, certaines des familles avaient notamment souhaité retourner au pays. D'autres demandent de pouvoir être envoyées sous d'autres cieux tels que l'Australie, les États-Unis d'Amérique et tutti quanti. Et d'autres préfèrent rester ici en essayant de peut-être rechercher un moment pacifique avec les autochtones de ce pays. Néanmoins, nonobstant cela, les familles qui étaient restées et qui voulaient absolument rentrer au pays ont vécu des sévices depuis notre départ, c'est-à-dire, et vous le raconterez tout à l'heure, je ne voudrais pas épingler ce fait parce que les mamans sont là, elles peuvent parler pour elles-mêmes. Mais toujours est-il que la violence avait tellement augmenté qu'elles ont préféré ces familles quitter Zirest dans la province du Nord-Ouest et elles nous ont demandé depuis le lundi de voir comment elles pouvaient venir. Et effectivement, une église tout particulièrement, l'église universelle de Jésus-Christ, qui est une petite communauté, a donné une somme de 2500 rendes pratiquement pour qu'on puisse aider et assister nos frères. Je dois aussi surenchérir sur le fait que cette église, on ne donne pas de... Il n'y a pas de ce qu'on appelle de dîme dans cette église. C'est une contribution volontaire qu'ils ont faite et c'est 2500 rendes qu'ils ont dépêchées par le biais de leur représentante à Zirest. Alors, la famille étant les deux familles qui étaient les plus menacées, notamment la personne qui avait passé l'interview, s'est trouvée dans une insécurité totale parce que sa femme a été battue à 2, 3, 4 reprises depuis notre départ et il a estimé que autant mieux rentrer chez lui parce que pour lui, il estime que Mbokanaye déplace peut-être Ezali Malam Keko Kufela Namboka Bapaya Naba violence wana. Bon, Tokoloba Mingi te na likambuya xénophobie, po na utai kobetango sete, atana 1990, bande konabiso ya Kasai Bazala ki pe victime ya manque ya bolingo ya batumususu bazongisa ibango du Katanga au Kasai. Donc ce tolobi que ezali xénophobie ba sud-africain na mona ango un peu exagéré, je préfère dire que c'est l'homme lui-même qui n'aime pas son prochain. Donc c'est la manière dont moi je vois les choses. Alors ba famille wana bayaki donc vendredi
Ma famille, on a qui vendredi, donc le soir, à 19h, Bengi Bisso, on se déplace à Kinan, de Konanga, Azal, Simaya Kamera, Papa Gisapwe, to Tambola Kima Koloti, Plaso, Bayaki na Park Station, le temps que Toyeba, to Romema Bango Wapi, mais na Katia Moy, Tang Barbaki Bazan Anzela, il fallait to Zwaba Ningisa, Place Ntokotia Bango. C'est ainsi que to contacta qui Maman Mongo a docteur, Pese Kibiso numéro ya roi Ambo, Oyo Azali roi ya Afrique du Sud, ou alobi ke ye descendance nae ezali ya Congo. Alors, tant que l'obi que descendance n'est à Congo, tout le monde a une place où on a été, tout bon, le col à moutoua moni gaza congolais, ou ils a ma belle naye, alors to bengaye. Alors, batinda ki Kibiso numéro ya nani ya secrétaire naye oza ambassadrice ya royaume et tant batinde biso numéro 1 maman priti to bengiye tant to bengi maman priti akoya kala mingi te peut-être komona ye donc alobi bon a pesanga na pesaye 2 heures et puis na pesake 2 heures na 16 heures a confirmé kazu esika esika ngo yangoyo donc tant bande on a biso bayaki na butu il s'est fallu que yepe aye toluki ba moyen de transport wana ti tome mabandeko ndetoye na bango esika depuis vendredi et le kotoza na ngo mois passé ezali esika ezapenda na malili boyo yebi eza hiver bazan ba couverture te bazan ba matlaté donc na minute yo faut pe kosunga bango pona kolia parce que bazan ba bungisi biloko nyonso na mboka oya zi reste donc voilà un peu le problème en bref. Voilà, voilà un peu le problème. Bref, merci à vous, Monsieur Jean Bois, pour notre effort et puis Nathan Ayo, quoi que vous avez passé aujourd'hui, Mingi. Alors nous signalons nos téléspectateurs, nos amis congolais, vous êtes branchés, connectés, bolandais, jusque là. Tous ceux qui sont en place, Sango, les alliés, mes soeurs, ton métier de community church, un centre, bisikani ni bande ko na biso ba kima ki menace kuna nazira kuna North Province. Na bande ko na ko balancer bino sous clip yango, pour bon mona ko, ma bilongo ba leka ki na interview. Tous ana bango ana katiawa, do baza na menace sa makasi. Pourquoi ba loba ki na télévision? Parce que communauté ana sud africain, baza na na area wana ba komo menacer ba famille wana po ani ba leka na télévision bola na no clip oyo mais avant cela oui c'est oui na lingi pe na pesa matondo mingi na ndeko oyo to ya biso azali papa na biso mokambi ya mboka eye ezali papa Ben Poko po azali papa na banzi na kanisi ete ba mama na kati to ba ndeko na biso ba ko lobela payé pour bako senga epai na ye po sana bango mingi ezali bazonga na mboka na bango mais to kopesa ye merci po na souci o azali nango po na ko salate a léger situation na bango merci papa Ben Poko donc tozota lelande yo. Voilà, merci beaucoup son excellence Ben Poko. Vraiment, nous sommes très fiers du travail que vous êtes en train de faire. Ça fait beaucoup d'années que vous êtes là, dans là où vous êtes. Et voilà encore une autre situation. Je sais et je crois, et comme vous avez bien dit vous-même, que au tenir, vous au tenir compte, nango linga ki micro à bolo, à to caméra bolo, et quitte à terrain, et identifier par une de quoi, na pour vous solana bango. Je crois que tokope sabino, beaucoup de capé bango son excellence. Vraiment, grand merci, puis na directeur Luamba, na collaboration, bozanang ensemble, na bureau et ambassade, puis bah travers union sur ambassade y a RDC, niveau Pretoria. Ah, vraiment, merci. Alors, nazo me ma caméra na ngai bo mona bande ko na certain pasteur Jackson et puis na ba famille na ba mama msusu. Boyo ka kolela bango na kati bisikani ba vandi bo mona bisikani ni conditioning ni bazo vanda resté branché. Mais avant cela, bo landa li susu moi clip ngon ndenge ni bazala ki menancé, hein? Moi si tu en seul kay na zira expecter te rafraîchir bino. Après to zonga. Merci.
Merci, Mano Caméra. Ça va, vous les laissez. Bon, mon ami, on va se mettre comme ça. Clair. Voilà, chers amis téléspectateurs, nos compatriotes, vous avez branché connecté dans 3W. Moi, c'est Joseph Boloa, l'international. Comme je vous ai dit, Tozana Kati Awa, nous sommes à l'intérieur. Comme vous remarquez, nous avons trouvé, c'est là où que nos amis sont coffrés. Ils sont un peu réfugiés, s'il faut utiliser le terme, et là, on les garde. C'est juste un moment, une place un peu momentanée hein, à tous nos compatriotes, Boza Branché, Bozo Landabus, dans un moment Oyo. Donc, c'est ici, bon, on ne sait pas même c'est quelle salle, c'est comme une salle de classe, au Bapesi Bandekonabus, avec toutes ces histoires, Balongo, la province, North Province, Bayé, avec toutes ces histoires, sur Moussezanassé, vous remarquez, des potes, des assiettes, des marmites sont éparpillées ainsi que des valises. Et les enfants sont là. Du moins, il y a quand même des gens de bonne volonté. Ils font quand même un effort. Il y a qu'à s'occuper pour du moins avoir quelque chose à manger. Donc, c'est toute une famille, des familles qui sont venues chercher refuge ici. Monsieur Jean Boissa, je ne sais pas, on est avec toi parce que c'est toi, du moins, sous votre collaboration, vos connexions, vos contacts. Nos frères, nos amis congolais, ils ont pu quand même avoir quelques places qui, malgré qu'il fait tellement froid, ils n'ont pas connu. Moi, ma larme, Théo, qu'est-ce qui est votre réaction? Bon, ma première réaction, je dis toujours qu'il faut savoir apprécier ce qui nous est donné. Donc, nous apprécions d'abord les autorités de cet endroit, c'est-à-dire le bishop Paul Verine. Et nous apprécions l'apport du roi Ambo et de son royaume qui ont permis que nous puissions être ici. Mais c'est triste, c'est vraiment triste. C'est pour ça que nous faisons appel à notre père, l'ambassadeur Ben Poko, et à tout son bureau, avec Papa Luamba notamment, que vous avez mentionné tout à l'heure, et avec lequel nous sommes en train de correspondre matin, jour et nuit, de sorte que nous puissions trouver une solution pour soulager cette misère qui colle à la peau de nos frères et de nos sœurs. Donc pour l'instant, je pense que je ne voudrais pas trop monopoliser la parole, parce que sinon ce serait superfétatoire, mais plutôt donner l'occasion et l'opportunité
à nos frères et à nos sœurs de s'exprimer. S'il faudra conclure, nous allons conclure après avec, pour une minute. Voilà, merci beaucoup. Nous signalons aussi au bureau de l'ambassade de la RDC et de son excellence Ben Poko, ainsi que toute l'équipe qui travaille avec. Nous sommes ici à Soweto, là où quelques familles, ils ont quitté Zurax, là où ils ont subi les menaces xénophobiques. Ils sont ici, Bissikanine avec les enfants ici. Il fait tellement froid, on ne comprend pas. L'hiver a fini, mais sauf que les deux premières semaines ici de ce mois, il fait tellement froid depuis hier, presque depuis le vendredi. Il fait tellement froid, on a vraiment pitié à ces enfants ici. Alors, j'aimerais inviter parmi eux, parce que tous les Karatouloba sont à mon côté, mais nous sommes venus aussi écouter le plaint. Qu'est-ce qu'ils veulent au juste? Qu'est-ce qu'ils s'attendent de vous, compatriotes, qui vous êtes branchés, connectés? Qu'est-ce qu'ils attendent aussi de l'autorité de notre pays? Et qu'est-ce qu'ils veulent en fait? Bienvenue, l'homme de Dieu, Pasteur Jackson, ça va? Ça va bien. Nina sema ku government yetu ya Congo. Vraiment, hapa tumekuja South Africa, ilikuwa tatizo ya vita ya M23. Na sasa M23 wakati wamemutimua, tulikuwa tumesha kuwa hapa South Africa. Mena problemi metupata hapa South Africa, tumekutana iko kubwa kuliko ambayo tumeacha nyumbani. Tumeomba government yetu ya Congo kama vile ambassador atusaidie kwa kututosha katika hii hali ya South Africa. Sasa tumepitia mauaji hapo Northwest Zirast, ndio mali tulikuwa tumekaa. Lakini nasema tena, tunaona nchi yetu tunawapokea wageni wengi, tunawapatia kila kitu, wanakula kwetu, wanashiba kwetu. Lakini sisi wakongomani, tukifika nchi za watu, tunaonewa sana. Tunalalamika sana baba yetu ambaye yuko hapa, ambassador. Asikie malalamiko yetu, ni baba yetu ambaye anaweza kutusaidia turudi nyumbani, kwa sababu kwetu ni kwetu, nyumbani kwetu ni nyumbani kwetu, kwa sababu mtu hawezi kuchukia nchi yake. Hiyo ni nchi ambayo inajaa kila kitu. Lakini tunakutana South Africa, tunateswa bure na hakuna kitu chochote ambacho tunafanya ndani ya nchi. Najua ambasaderi wamemtia hapa ili aangalie watoto wa Kongomani, na naimani kwamba anaweza kutusaidia kutosha katika hii hali ambayo inatupata katika nchi ya South Africa. Nikimweleza mengi ambayo nilipitia hapo Northwest, na gizi jina langu linawindwa pale ili waniangamize, ni mambo mazito sana, kwa sababu nimeonekana ku ile video kwa kutetea wandugu zangu wa Kongomani na kufanya mambo mengine ili tupate amani. Watu wa South Africa wamenitafuta sana, ndio inasababisha mimi kuonekana hapa nikae na watoto 11 ndani ya sale ya Methodiste. Wametusaidia hapa kutukulala, lakini hatungelilala hapa. Mzee wetu ambassador atusaidie kabisa kutoka ndani ya hii hali ya usumbufu. Watoto wanalala vibaya, tunahangaika kwa sababu ya hiyo hali ya wakaaji wa South Africa. Mungu awabariki. Pia tunashukuru Papa Jean Boissin kwa kutushughulikia, kwa sababu aliposikia habari, Papa Jean Boissin, Papa Gigi, Mama Marie France wameshitoa kutuenda kutuona kwa katika hiyo hali. Wametoa nguvu zao na kutoa oga ili watutoshe hapo na kutufikisha hapo kwenye tunaangalia kama tapata na mahali pa kurudi nyumbani. Mungu awabariki nyote. Pia na kwako journaliste tunakushukuru sana kwa sababu kwa kufika yako hapa, kuacha makao na kuja kutuona. Mungu awabariki. Na ikiwa mtamuona papa baba yetu ambassador, msikose kufikisha malalamiko haya ambayo tunayo. Tunateswa South Africa, wengi ambao nimeacha huko wanalia, wanapigwa vikali sana usiku, wanakuwa kujia saa 5 wanatufungulisha milango, wanatupiga vibaya sana. Kwa hiyo tunaomba msaada ambassador, ni baba yetu, tuko tayari kurudi kwa nchi yetu, kwa sababu ni nchi tunapenda, ni nchi ambayo tunaifurahia. Nimekulia pale, nimekomaa pale, nimeoa pale, nina mwaka mmoja South Africa, nimeona uchungu mkali sana. Ambassador atusaidie turudi katika nchi yetu, sababu tunajua nchi yetu amani yuko, na najua kwamba itaendelea kuwa katika nchi ile. Ingalawa magonjwa wanasema Ebola iko pale, lakini Mungu atatulinda, sababu haiwezi katuua si Ebola, lazima tuishi na amani katika nchi yetu. Mungu awabariki sana. Votre nom, your name? My name is Jackson Masirika. Okay, do you still remember, vous vous rappelez, il y a combien de gens qui sont de l'autre côté que vous avez laissé derrière? Zirast. Katika watu ambao wanaonekana kwa hiyo video, wanako katika hatari, kwa sababu nimepata hiyo neema. Wamoja walikuwa wametoka,
mimi nimekuja hapa mahali ambapo wandugu wamenitoa, wao walikuwa wamekimbia kidogo, lakini nao wana malalamiko mengi sana. Na kuna wamoja ambapo nimeona kama vile mama Natalie, nimeona huyu mama Esther, naona mama Bade, wale wote wanahitaji kurudi nyumbani. Lakini wakati nimetoka, sababu jina langu likuwa limetafutiwa sana, nimepenya mwenyewe nikawacha hao wadada watatu huko na ule mamanya Bada na mume wake, ndio wanakuwa na haja ya kusema warudi nyumbani. Lakini nimepenya na familia yangu watu 11, ndio maana nimekaa hapa, kwa sababu sauti yangu ilisikilikana kwenye audio. Papa Jabwasa alikuwa amenipatia hiyo chance ya kutoka kwa hiyo mwingine kuniweka mahali hapa. Ndio maana nasema kweli mwasaidie wa ndugu wa Kongomani, wengi wako kule wanateswa sana, hawana mlango wa kupitia. Lakini na imani kugizi mmefika hapa, wale watu wengine watarudi na mtaona gizi. Okay, nous sommes pas seulement avec le pasteur Jackson qui est avec nous, nous sommes aussi avec des mamans, comme vous remarquez, il venait juste après de terminer. Mais la condition qu'il vive là, c'est vraiment it's horrible, comme on dit en anglais, c'est pas, il vous n'allez pas aimer. Bon, anyway, c'est du moins comme monsieur Jean Boissa dit, ce sont des gens de bonne foi, de bonne volonté, va passer dans notre place yo. Pour qu'ils puissent un peu prendre un peu le temps. Je suis avec le maman. Ça va, maman? Tu te présentes. Mie, jinangu ni mapendo Alice Lydia. Bo, niko mkongomani. Natokea Ziraste. Ziraste, tulikuwa na probleme za mingi sana. Benye inchi, bana tutesa sana. Benye inchi, bana sema haba tupendi tena mwinchi yavo. Bo siye tulikuwa tunaishi ku Main Street 29 Ziraste. Basi hapo banakuja, ilikuwa mangaribi, banakia banatuambia banatuliza baba wenu bako wapi. Hapo njo bakaanza nivamia, kwanza nipiga sana, tena haiko mtu mmoja, nilipigwa na watu ba mingi sana. Tena banaume banamke wote balikuwa na mipanga, balikuwa na mashoka. Balikuwa na vitu mingi sana vya kutupiga. Kwanzio siku tukulala tena manyumba, tukua tunalala nje. Tutumiki tena, bana tushambulia na makazi zetu, bana tupiga, bana tuambia tupendi. Aba tupendi tena mwinchi yabo. Njo tukapata Papa Gwasa, akatusaidia gisi tuko hapa. Vous avez combien d'enfants? Tuko, mie niko na batoto tatu na mume wangu. Yeah. Ok, qu'est-ce que vous voulez que le gouvernement ou l'ambassade fasse pour vous? Bo, tuliko tunapenda ambassade sa baba yetu atusaidia mzuri sana. Tulitoka kwetu, tunakimbilia muinchi, tunayua kama umu batatukamata mzuri, lakini na umu hawatupendi tena. Tuko tunapenda tusaidia sa baba yetu, tunangaika, tunateseka sana. Tuko tunapenda tusaidie, turudie kunyumba, ataweza kuwa anafanya jambo ya maana, na Mungu ataweza mulipa sana kusema tusaidie kwetu. Okay, je suis aussi avec une maman ici. Maman, rapprochez-vous. Vous allez vous présenter. Jina langu Faida Jackson. Vous avez combien d'enfants? Na watoto ine. Mimi na mume wangu tuko wa sita. Qu'est-ce qui s'est passé à Ziraste? Nilikuwa Ziraste, mimi nafanya mwaka mmoja hapo. Lakini ilifika wakati, ilikuwa usiku, ilikuwa kama mardi, bakafika mikuki, mabupanga, mashoka. Tulikuwa nyumbani, mungu alikuwa ametoka kidogo, anaenda ombeana. Baka tuswali, waumezenu wako wapi? Tukasema hawako, walienda ombeana. Wakasema tutawaonesha leo, tutawaua. Mama mwenzangu, akapima sema Swahili. Wakati alisema Swahili, baka mpiga, baka sema tutamuua. Kulikuwa mama mmoja mwenye inchi akasema msimuue, ye ni nyikamu hajue lugha. Bakasema hatubataki mwai inchi yetu, tunafunga kambi, hamutarudiaka tena kwenda, tutabamalizia hapa hapa. Tukavumilia kidogo. Wakati ilikuwa siku moja hivi, ilikuwa kale 30. Bakatufikia usiku, bakasema tunakuwa bamalizisha. Tukahesabia magari, gari 17, tukachia pale, bakasema tunakuya kubaua. Tukakimbia mpori na batoto, tukalala mpori siku tatu. Wakati tulikuwa ndani ya pori, tukangalia batu wanakuya na tukutana mpori, tukasema, tukimbie. Bakasema apana, tuko benzenu, musikimbie. Tukachunga, bakafika wetuko, bakatupitisha kuvideo. Bwanangu akasema, siye tunatafuta turudie kwetu Kongo,
juu Kongo tulikuwa na mashamba, tuliishi mzuri. Tulikimbiaka Kongo juu ya vita ya M23 kutukimbiza. Wakati vita liisha, lakwa tugilia manyumba, banatuua. Bakasema tukimbile South Africa, kuko amani. Tukakimbia mpori, tukafika Zambi, tukapata gari katufikisha huku. Kumbe mainchi namu ni matatizo. Banasema abataki bakongomani, habatupendi turudie kwetu. Tunabasi basi na kumakazi, banatufata. Wakati batu biko mpombe, banasema, ah, ule pasteri umesema kutelevizio juu ya nchi yabo. Iko wapi? Banamutafuta, mpaka batamua. Wanangu alikuwa nalala nje, mimi nalala munyumba, nalala nikuwa teseka. Alikuwa hakulake tena, iko nasumbuka tu nje mpori. Nasema, ah, ndabakia mjane, tufanye nini? Papa ambasaderi, angetusaidia sana, aturudishe mwinchi yetu ya Kongo. Hata mtakuwa shida, hata mtakuwa matatizo, tutavumilia. Juku tunawindiwa kama vile panya, tuko tunatafutiwa sana. Nashukuru sana papa. Papa Guasta, tunashukuru sana, ametutosha katika ile mwingine jiraste, tulikuwa natafutiwa sana, lakini Mungu amemutembelea, ametutosha ndani ya ile mwingine, ametufikisha hapa, hata tunakuwa ndani ya hii nyumba, tunalala vibaya, tunateseka, lakini tunamshukuru sana, juu amejitoa pesa zake, amejinyanganya, ametutosha katika ile shida, lakini papa bangetusaidia mzazi, utusaidie sana, uturudishe nyumbani, hata kutakuwa magonjwa, hata kutakuwa matatizo, tutavumilia nchi yetu ni nchi ya amani, nchi ya salamu. Tunapokea wakimbizi yoyote katika nchi yetu ya Kongo. Hatuwazuie kitu chochote, banatumika, banachuruza, hata leta itabafatilia. Lakini huku ukapima tia tu base nje. Sherti bakombia madokima, sherti bakufatililie. Na banasema mkimbizi hana kazi huku hazitumika. Na ukapima nyola kidogo le verende, ukapima nyola banakwambia ah, funga salo yako na Cesare. Na wale wa musalo wanasema Cesare njo saa kupata kazi. Lakini watu wanatuinda sana. Papa mungetusaidia ambasaderi. Utusaidie sana, uturudishe nyumbani. Tunakomba, tunakusii baba. Utusikilie huruma. Tuko na watoto, tunalala chini, tunasumbuka sana. Baba ungetusaidia sana, uturudishe nyumbani. Juu kwetu tutakuwa na amani, tutakuwa na furaha kabisa. Najua Mungu atakulipa wakati utaturudisha. Najua Mungu atakulipa. Na tunashukuru sana kwa ndugu ambao watusha katika ile jiraste. Mungu awabariki na Mungu awaongezee nguvu na upendo ambao wametuonesha. Mungu atawalipa. Asante. Asante sana mamu wangu. Okay, you guys, do you have something to say? What do you want to say? Do you want to go home? Yeah, I want to go home. Why? Yes. Why do you want to go home? Yeah, ndi nukatika kwenda kunyumba kwa jii. You are not say free here. Yeah? You are not free in South Africa. No. Oh, they wanted to kill you guys. Yes. They were beating you. Yeah, yes, they want to beat my mom. They want to beat your mom? Yes. What happening? Yeah? Semaka. Ndio na kwa watu wa mingi balukeka ni magari za mingi zikakuya mwinchi yetu. Siko mana bakapiga mama angu. Na siku mana babanga bakamwambia akimbie. Na ndio sasa nikasika nikana mamangu licho lake licho kwa ruje bakampiga. Oh, shame. Okay, all right, à vous téléspectateurs, nos amis congolais, vous êtes branchés connectés. C'est vraiment une situation un peu déplorable que nos amis congolais, c'est au nom de la RDC que nous sommes là. Et vous voyez des mamans avec des enfants, 3-4 enfants, des familles comme ça, avec des conditions. Et il y a de ceux-là qui sont restés, qui cherchent même moyen de venir même à Djobour ici. Parce que c'est dans une province, une affaire à 100 à 30 km d'ici de Johannesburg. C'est presque une heure ou deux heures du temps de conduire. Ils veulent, ils cherchent parce qu'il n'y a pas assez de moyens pour quitter là-bas, venir de ce côté. Nous ne savons pas actuellement que nous parlons leurs conditions et comment, tu vois. Mais eux, du moins, avec une petite contribution que les Congolais ont fait pour qu'ils soient arrivés ici à Johannesburg et coffrés un peu réfugiés ici au niveau de Soweto. Vraiment, on s'excuse pour cela. Voilà les conditions que nos amis sont. Il fait tellement froid, je vous dis, je vous garantis, il fait tellement froid. À vous qui nous suivez maintenant là, donc si vous pouvez avoir quelques contributions, des blanquettes ou quelque chose, pendant que nous puissions avoir des process avec le niveau de l'ambassade, vous êtes aussi la bienvenue. Alors, je suis avec mon frère, vous allez vous présenter. Ya, namé, kwa jina naitwa Biamungu Sumaili.
Ya nashukuru sana na natoa kwanza shukrani zangu kwa papa Bwasa. Kwa hali tulikuwa na Zirasta alijitoa saa mwanaume hakuogopa chochote. Hakuogopa kama wenye nchi watamua yale. Mais ils ont dit que vous les Congolais vous vendez des drogues là-bas Zirax, vous vendez des drogues aux Sud-Africains, les Diamba tout ça, c'est vrai, voilà pourquoi ils vous menacent. Ya bakongomani bako nasema wenye nchi bako nasema ngo bakongomani wanachuza droge mzirasti. Akinaona tu ni kutuonea tujua hawatupendi tena mwa hii nchi. Kuko mwenye walikamata iko na droge wakamfunga, akasema yeye njoo fisto, wakamata mtoto mwingine ndo alikuwa anaingia South Africa na yeye wakamfunga. Sasa anaangalia kwa madokima ule kiana anasema anaitwa fisto, wakamtosha bakabakiana juu ule kudokima yake kunaandikwa fisto, lakini ule mkubwa mwibarikamata na droge juu kudokima yake haiko njoo fisto bakamtosha, na ndio walikamata na droge. Lakini mwenye barikamata na droge yeye mpaka hivi banamfunga, banamfunga mpaka hivi, na polisi ya umma haitupendi. Haitupendi, waliona kama alikamata mtu na droge banamwacha, lakini mtu mwenye akukamata na droge mpaka leo wangale banamfunga. Sisi tuko tunaomba papa ambasade, papa ambasadere, mimi nilifika pa South Africa siauza kuku, siauza mbuzi, lakini Kongo nilikuwa na makuku zangu, nilikuwa na mambuzi zangu. Sasa sikukuya nikufie huku kwetu, kama kulikuwa vita, kama kuna vita mimi nirudishe tu nyumbani, niende kusikilizia vita kwetu. Nisipendi kusikilizia vita kwa watu kwenye sitapata kwenda kimbira. Hata ukimbilia kumulima hautapata muhogo, hautapata mihindi, lakini kunyumbu nakutana watu wanalima wako na mashamba. Ukikimbilia mpoli unapata muhogo, unapata muhindi. Nilikuwa napenda kweli ni turudishe baba, utusikilie huruma, turudishe kunyumba, tuende kunyumba. Nchi yetu ni ya maziwa na asali, iko na kila kitu, iko na madiama, iko na kila kitu, hatukosi kitu kuliko tukue kuhangaikia mwa hizi nchi za watu. Banaturunguza saa nyama. Ndio kwa mimi naishia baba, utusaidie utufikishe nyumbani. Voilà, merci beaucoup. Vous avez vu, nous ne voulons pas trop prendre beaucoup de votre temps. Chers amis branchés connectés dans 3W Congo Dialogue, moi c'est Jusso Boulois. Je termine avec M. Jean Bois avant que nous puissions quitter la place, parce que c'est une situation de revoir, des moments sont tristes. La condition, je ne pense pas qu'une condition inhumaine. Toi et moi, je ne m'aimerais pas que nous puissions tous dans la situation aboyée. Mon dernier message, c'est d'abord un message de réconfort. Nous aimerions d'abord que nous puissions nous fortifier et surtout fortifier nos frères. Nous savons que la situation n'est pas l'une des meilleures des situations, mais néanmoins, nous pensons qu'avoir un toit au-dessus de soi, c'est mieux. C'est vrai qu'il fait très froid, mon frère, comme vous l'avez souligné. Les fenêtres sont brisées de part et d'autre, comme vous pouvez le voir. L'endroit, c'est une salle de classe. D'ailleurs, il y a eu des menaces aujourd'hui pour qu'ils puissent évacuer, parce qu'on doit utiliser l'endroit. Nous avions contacté au courant de la journée, quand nous avons eu vent de ce problème, le bishop et le bureau du bishop catholique de Johannesburg, afin que nos frères puissent être délocalisés, s'il faut employer le terme. Et nous espérons qu'au courant de la semaine, lorsque nous allons voir l'ambassadeur, M. Ben Poko, il pourra trouver la solution pour nos frères, nos sœurs et surtout ses petits-enfants. Parce que j'aimerais souligner ce fait qu'on dit en français qu'il existe un amour qu'on appelle agapé, l'amour inconditionnel. Et c'est ce que nous devons montrer à nos frères et à nos sœurs. Non seulement cela, mais on a aussi besoin de pouvoir, comme vous l'avez demandé tout à l'heure, des couvertures, des matelas dans l'entretemps pour qu'ils puissent dormir quand même aisément et au chaud. Il fait excessivement froid en ce moment-ci. D'autres choses que j'aimerais rappeler, c'est le fait que les Congolais, si nous n'apprenons pas à nous aimer comme des frères, nous allons mourir comme des idiots. Et il est important que vous puissiez en ce moment-ci apporter votre soutien à nos frères qui sont ici présents et à ceux qui sont restés à Zirest, qui ont besoin de venir ici et qui veulent absolument retourner dans leur pays, dans notre pays qui est la République démocratique du Congo. Donc si j'ai un mot de la fin, c'est que nous puissions appeler toute personne de bonne volonté à pouvoir contacter Papa Josué Boloa pour toute contribution qui nous arrivera. Dans nos organisations d'ailleurs, les gens sont en train de contribuer. Mais pourquoi d'autres personnes qui ne sont pas
des Congolais sont en mesure de contribuer pour nos frères et que nous-mêmes, nous sommes en train de garder le silence et de dire comme si ces gens-ci n'étaient pas les nôtres. Donc voilà, nous appelons la solidarité de tout Congolais et de toute Congolaise et pris de bonne foi pour que nous puissions trouver la solution à nos frères. Nous estimons aussi qu'il est impératif et nous sollicitons de la part de Papa Ben Poko, l'ambassadeur, qu'il puisse jouer de tout son poids pour que de telles situations gravissimes ne se produisent pas pour nos frères. À l'époque de l'apartheid, on ne le redira jamais assez, le Congo a joué dans tout son poids pour qu'il y ait la fin de l'apartheid, même si historiquement ils ne le reconnaissent pas. Mais le président Kenneth Kaunda, du haut de la chaire, lors des obsèques de son excellent de président Nelson Mandela, il avait dit que la Zambie n'avait pas d'argent et que c'est l'argent que la Zambie utilisait pour pouvoir accueillir les Sud-Africains qui étaient en exil venaient de Papa Mobutu, le défunt maréchal. Donc ces points, nous devons aussi les souligner. Et nous n'oublierons pas que lorsque le président Nelson Mandela, qui n'était pas encore président, est sorti de prison, le premier pays qu'il a visité, c'est la République démocratique du Congo, alors Zaïre. Et à l'époque, nous qui sommes au parfum de l'histoire, nous qui sommes au parfum de la politique, nous reconnaissons que le président Mobutu avait remis un pactole de 2 500 dollars, cet argent qui a servi notamment à la fondation Nelson Mandela qui s'occupe des enfants. Mais voilà comment nos enfants ici sont privés d'école, nos enfants sont privés des besoins qui sont les plus nécessaires, basiques, et nous sommes là à applaudir et à accepter des choses qui sont indigestibles, qui ne sont pas comestibles. C'est la raison pour laquelle je voudrais ne pas avoir d'émotion et parler librement pour faire appel aux voix sensibles, à nos frères, à nos sœurs, à toutes les personnes du monde entier de pouvoir aider et trouver des moyens pour que nos frères puissent rentrer dans notre terre décemment. J'ai aujourd'hui écrit des lettres au Gift of the Givers de ce pays, certaines organisations. Nous avons adressé une lettre à son Excellence, Monsieur le Président Cyril Ramaphosa, pour que cette situation de xénophobie ne puisse pas se reproduire pour nos frères et pour tout autre Africain. Parce que l'Afrique n'avait pas de frontières, nous avions les mêmes rivières, mais ces barrières qui sont des barrières coloniales continuent de nous diviser. Et tant que nous serons divisés, l'Afrique ne progressera pas. Et j'ai toujours parlé de la philosophie du crabe qui veut que nous puissions les uns les autres nous amoindrir et nous attirer vers le bas. Donc, ceux ou celles qui ont des contributions peuvent soit nous appeler, soit appelé Papa José Boloa, et cela sera canalisé à bon port pour que nos frères puissent trouver le calme et la quiétude nécessaires pour vivre en paix et rechercher le bonheur qui est le nôtre. Voilà. Merci beaucoup. Moi, c'est José Boloa, l'international. Je suis presque à la fin. Nous sommes ici à Soweto, là où nos amis, nos compatriotes congolais sont réfugiés pour, comme M. Jean Boss a dit, ils sont menacés d'ailleurs, ils doivent quitter parce que c'est une salle de classe. On ne sait pas combien de temps ça va leur prendre et nous osons croire que leur voix sera entendue et j'ose croire que l'ambassade ainsi que les gens, c'est de bonnes volontés qui peuvent aussi soutenir. On les fait parce que, pour l'amour du pays, n'est-ce pas? On les fait pour l'amour du pays. Parce que dans notre pays aussi, si seulement un des compatriotes, un fils du pays, une fille du pays est menacée d'une calamité donnée, vous voyez, tous les gouvernements, tous les pays se soulèvent pour juste les survies, n'est-ce pas, de ces gens-là. Alors, comme il faut dire, au moins ici, c'est 4 ou 5 familles ici. Ça, c'est juste un échantillon. Il y en a d'autres qui veulent venir ici en Afrique du Sud, à Tuta Jobu, pour quitter la province et rentrer dans notre pays. Parce qu'ils disent que you are better than being at home, you know. Alors la conversation continue, restez branchés, connectés, et je crois que nous aurons toujours à vous porter la suite, si du moins, et Jésus nous allons croire que ce qui quelque chose est salami pour na bande qu'on a vu sur Bazongamboka, tous ans à te commémorer la bino les 600. Merci, on se retrouve la fois prochaine.